Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, regardez ce que je vous présente. Une nouvelle folie de Renault. Renault, en ce moment, ils sont la tête en ébullition, ils nous sortent des concepts de folie. On a déjà fait la R5 Turbo 3E, il n'y a pas longtemps, on a fait le Scénic Grand Vision. Le salon de l'auto approche, là, en ce moment, on est un petit peu avant, ça c'est un reveal qui va se faire à peu près à ce moment-là. Ils ont sorti la 4 Ever Trophy, donc la 4L Forever Trophy. C'est en gros, là, ce que vous voyez sur le dessus, en gris mat, c'est clairement la future 4L, un petit peu déguisée, pour vous donner quelques idées de style. Je vais vous donner un peu les points qu'on m'a donnés et pourquoi ils ont fait ça. La 4L, ça arrive en 2025. En 2024, il va y avoir la Renault 5. Donc, vous savez, la jaune là qui était sortie en concept, ça va sortir en 2024. 4L en 2025. Alors oui, ils ont mis le 5 en 4 et le 4 en 5. Vous inquiétez pas, on va s'y retrouver. Clairement, la 4L, elle a fêté ses 60 ans l'année dernière. Cette année, c'était les 50 ans de la Renault 5. Donc, pas mal d'histoire. Et puis, la 4L, c'est quand même une voiture mythique. La 4L, elle sera positionnée, en fait, pas comme je le pensais. Moi, je pensais qu'il allait y avoir la Renault 5 et un petit peu en dessous, en gamme, la 4L. Mais en fait, non, ça va être l'inverse. Il va y avoir la Renault 5 et au-dessus, il va y avoir la 4L qui sera, elle, plutôt typée SUV. Donc, ce sera un SUV du segment B. Donc, plutôt compact, mais façon SUV parce que ça, c'est un petit peu le genre de voitures qui sont en train de s'envoler et ils parient énormément là-dessus, en tout cas chez Renault sur la 4L SUV. Ce sera un petit peu comme la Clio qui sera remplacée, enfin pas vraiment remplacée, mais la Clio qui on sera en gros la R5 et le Captur qui sera la 4L. Donc ce sera des versions 100% électriques. C'est la plateforme CMF BEV, donc pour le B, c'est les voitures du segment B et en EV. La Mégane, par exemple, c'est la CMF EV, qui est vraiment un châssis dédié à ça. Et là, en fait, pour réduire les coûts, tout comme la R5 et sur la 4L, en fait, ça va être le même châssis que ce qu'il y a sur la Clio. Ce qui permet, avec cette base, de pouvoir récupérer pas mal d'éléments. Et normalement, je l'espère, la R5 comme la future 4L seront des voitures 100% électriques avec un tarif plutôt contenu. Bon, pour cela, il faudra attendre 2024 pour la R5 et 2025 pour la 4L. Ça aussi, c'est à l'occasion des 25 ans du 4L Trophy, puisque oui, le 4L Trophy, est-ce que vous connaissez? C'est un rallye qui part de France et qui va souvent au nord de l'Afrique, qui traverse un petit peu l'Afrique pour amener des fournitures à tous ces enfants pauvres dans les écoles où il n'y a pas forcément de gros moyens, où les enfants n'ont pas la chance, peut-être comme nous en France, d'avoir une éducation où on est quand même plutôt favorisé comparé à beaucoup de pays. Et chaque année, c'est un rallye où il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui prennent des vieilles 4L, parce que oui, la 4L, c'était une voiture qui s'était répandue, mais dans le monde, et il y a eu des millions et des millions d'exemplaires, et on en trouve toujours des pas chers qu'on peut acheter 3, 4, 500 euros, et que les jeunes retapent pour aller justement donner des fournitures scolaires dans le monde. Et là, comme c'est les voitures qui traversent le Sahara, et pareil, la 4L, c'était une voiture qui était adaptée vraiment à tout type de terrain. On en trouvait dans les dunes, on en trouvait à la montagne, en ville et autres. Et là, ils se sont dit, voilà, ça, c'est vraiment une voiture qui passerait absolument partout, avec un code de style du gros SUV, mais surtout du gros SUV qui passe partout. On a des voies élargies, on a l'impression de voir presque un Dodge Ram, tellement c'est large, des pneus énormes à crampons. On a des endroits pour se maintenir ici, accrocher des choses. Pareil ici au niveau de l'avant. Regardez là-haut, on a rajouté une cinquième roue en cas de crevaison. Ils ont mis des petits rétro caméras. Alors ça, je ne sais pas si c'est un modèle de série. J'ai essayé de tirer un petit peu quelques informations. Vous me connaissez, j'essaye d'avoir quelques infos parce que là, je vais avoir une petite info exclusivité ici. Les caméras, peut-être. Peut-être, on verra selon les homologations, mais après, c'est pas forcément ce qui coûte le moins cher non plus. Peut-être que dans quelques années, ça aura réduit les coûts, mais pour le moment, c'est pas sûr. Donc, en gros, là, ce que vous voyez en gris mat ici, imaginez-vous que c'est en gros une base de 4L. La différence aussi entre la R5 et celle-ci, c'est que la R5, ce sera une voiture qui fera en dessous des 4 mètres, et celle-ci, la 4L, sera au-dessus des 4 mètres de long. Donc ça, les différenciera un petit peu également. Pour les amis qui ont déjà fait le 4L Trophy, vous vous imaginez le faire avec ça? Ça passerait vraiment partout. Ce serait rigolo aussi. Ce serait peut-être moins rigolo qu'avec la vraie 4L de base. Bon, première chose qu'on va retrouver sur la vraie future version de la 4L, c'est ce logo lumineux ici. Et Renault a pu intégrer ce logo lumineux. Et on m'a dit que ce sera vraiment officiel parce que beaucoup de marques ne pouvaient pas le faire puisqu'il y a une réglementation très particulière. Et la calandre ici, vous voyez, elle est illuminée. Elle fera le tour. Ça également, ce sera sur la future 4L électrique.
Pour pouvoir intégrer ce logo lumineux ici, il faut avoir une distance minimale entre la partie lumineuse autour du logo et le logo. C'est ça qui va vous donner l'autorisation de pouvoir le faire. Donc grâce à ça, on va pouvoir avoir vraiment un logo lumineux et Renault qui va briller la nuit. Et je vous avoue qu'en 3D comme ça, il est juste superbe. Les petits carrés, ça c'est vraiment un moment dans le style. Et ça, les feux comme ça, donc on imagine que ce sera rond comme ça, puisque de base c'était également rond, mais il n'y aura pas ces traits-là et ni ces carrés à cet endroit-là. On retrouve un amant très très massif. Donc clairement, comme je vous disais, en gros ça c'est un petit peu ce qu'on va retrouver sur la vraie version. Sur l'avant là ici, on voit des points d'attache et autres. Ça c'est vraiment juste un délire d'ingénieur et de designer, tout comme là ce qu'on a là-dessus avec les LED, le bandeau lumineux. Alors c'est clair que c'est vraiment canon, mais ça on le verra pas. Pas de poignée. Peut-être que ce sera fleurant sur la future version également, comme on pourrait l'imaginer là. Alors on peut pas rentrer à l'intérieur parce que c'est juste une maquette, c'est pour exposer. Par contre, il y a une idée qui est sympa, comme on retrouve sur des véhicules comme le G6x663, c'est les pneus qui peuvent se regonfler et se dégonfler grâce à une pression intérieure. Donc on a un système ici qui va permettre d'avoir une sorte de compresseur pour pouvoir gonfler et dégonfler selon le type de terrain qu'on va faire. Donc ça, c'est des idées qu'on peut avoir, hein. Pourquoi pas sur des versions plus haut de gamme un jour, et pourquoi pas si un jour ils se disent « Eh, si on faisait une version comme ça ?» Autre petite chose, cette vitre ici, ça c'est la vraie vitre de la future 4L. Elle sera exactement comme ça, on la retrouvera comme on l'avait sur l'ancienne version. Autre petit point, c'est cette partie, tout le monde se rappelle de cette partie sur la 4L de base, donc c'est cette partie avant qui vient jusqu'au bouclier avant. Et ça pareil, c'est une vraie partie de la future. Bon, comme vous pouvez le voir, là, je pourrais aller faire une révision en dessous. Et il n'y a personne qui est passé en dessous. Bon, j'avoue, on n'y voit rien. En fait, c'est tout plat. Par contre, ils ont mis des vrais disques de frein là-bas. Regardez, personne l'a filmé ça, je pense. Il y a des vrais disques. Et là, il y a quand même un vrai moteur électrique. Chut, faut pas le dire. Bon, comme vous pouvez voir, hein, je peux passer en dessous et mon 44 passe sans problème. On retrouve des petites touches de rose avec des néons un peu partout. Battery pack ici, donc je suppose que le battery pack est ici. Allez, je vous emmène à l'arrière. 4L Tofi dit traverser du désert, donc des plaques pour s'extriper qu'on va mettre sous les roues, plus une petite pelle pour piocher hein, et enlever le sable. Bon, ça, c'est vraiment pour aller jusqu'au bout du derrière du concept. Le logo 4, alors c'est peut-être la première fois qu'on le voit comme ça. Est-ce que ce sera ça qu'il y aura sur la future 4L avec un petit L ici, ou juste ce sera peut-être marqué Renault 4? Cette partie, on ne peut pas l'ouvrir sur ce concept, mais pareil, petite info que j'ai, c'est que ça s'ouvrira comme l'ancienne. Alors peut-être pas aussi grand, mais ça s'ouvrira comme l'ancienne. Autre info, les feux, ce sera vraiment en trois parties comme ça. À l'époque, vous vous rappelez, c'était des feux en trois parties et ils vont reprendre vraiment ce concept pour la version finale. Donc là, on retrouve quelque chose en full LED. C'est très joli. S'ils pouvaient faire quelque chose de ce style-là, ce serait juste magnifique. À l'arrière, pareil, un gros bouclier et autres. Mais bon, ça présage pas forcément vraiment le futur. Il y aura quelque chose de pas mal également, c'est que, comme la version R5, à Maubeuge en France, Renault va vraiment développer le côté électrique. Donc c'est pareil, ils veulent produire un petit peu plus les batteries, développer plus le côté électrique, et la future 4L sera produite comme la R5 à Maubeuge, comme le Kangoo par exemple. C'est cool d'avoir du français. Vous savez combien de millions de 4L il y a eu dans le monde ? 8 millions de 4L qui ont été produites et sorties des usines. Bon alors, ce concept, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'en ce moment, tout ce que Renault fait, c'est quand même assez extraordinaire. Ils ont des idées, ils sont créatifs. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est surtout que ça roule comme la Turbo 3E. Ça roule vraiment. Si c'est pareil, on peut l'essayer, ce serait dingue. Alors ça, c'est plus vraiment en forme de maquette et autres. Mais j'aimerais un moment qu'ils poussent vraiment un petit peu plus loin, qu'on puisse les essayer, qu'on puisse les voir dans la rue ou de temps en temps les croiser dans Paris, par exemple. Bon après, je sais qu'ils ont leur showroom sur les Champs-Élysées. Il y a beaucoup de voitures, des Formule 1, des concepts, des futurs modèles, etc. Qui sont présentés avant même que ce soit sorti. Donc n'hésitez pas à passer là-bas. En tout cas, merci encore à Renault de m'avoir invité aujourd'hui pour vous présenter ce modèle extraordinaire. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, le pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Allez, on essaye de s'abonner, on partage aux amis, on essaye d'arriver à 100 000 abonnés, ce serait juste fou. Bon, merci encore à tous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.